Marco, il y a une bonne lumière là. C'est le moment de faire le début du vlog. Attendez, il m'a dit, il est où Jules? Ah, vous êtes là, enfin. Il est où? Dis-moi, piqué. On était parti pour aller random dans l'île, vers des petits trucs qu'on a trouvé sur internet vite fait. On arrive pour acheter un réchaud et on croise une dame adorable, un amour, qui nous dit globalement tout ce que vous avez prévu c'est de la merde. Tout est fermé, tout est dévasté. Du coup elle nous a indiqué tout le trip à faire. Un itinéraire parfait, tout calé, la route et toute la carte. Et qui nous a peut-être sauvé la vie à jamais. Premier soir, vous allez vous demander pourquoi on marche la nuit. On est resté trop longtemps au poncho. Le poncho, on a pris trop de poncho. Il est 23h et on va se diriger vers notre campement. On va commencer tout en bas de l'île et demain débutera la grande aventure. Comme on dit à chaque fois en fait. Avoir marché 3 heures, on s'est bien enfoncé dans la montagne. Quel régal. Allez, courage, allez monte le pied. Ah ! Enculé ! La route est interminable. Je pense qu'une bonne nuit s'annonce. Très mauvaise nuit. Il a plu toute la nuit. Et là il pleut encore. Du coup on a une idée. Comme ça fait 48 heures on s'est pas douché. Ça commence à puer sa mère. On va se doucher, on va sous, se la doucher sous la pluie. C'est parti. Let's go. Ta mère là.
se retrouve dans les grottes du Nevada. Là, c'est un tout autre monde. Le paysage a encore changé. Il faisait beaucoup trop froid, je vais mourir, mais la vue, c'est ça. Check ça, beau gosse. Actuellement la personne la plus haute de l'île, donc la plus supérieure comparée à ce truc là, celui là-bas. Quel bonheur. Maintenant on se dirige vers les cascades de l'enfer de Madère. Après avoir signé Pico de Nuevo, les cascades nous attendent. Let's go. C'est l'heure de la douche. Comment va venir? Oh là, c'est mon pas. Et le but est d'aller dans cette ville en faisant comme ça, en partant par la Valle Marco, Santana. Et peut-être prendre un bus pour aller soit ici, ou soit tout là-bas. Pardon.
Donc là, au bout de l'île. On est au bout de l'île. Clairement, au bout de l'île. Là, c'est clair. Hein. C'est clair là. C'est clair. C'est la fin de l'île, la fin de la plage. La fin de la plage, le début de la montagne. La montagne, combien de kilomètres de dénivelé, Marco? 1. 1 dénivelé. 1 mètre de dénivelé, donc 1 mètre pour passer du niveau de la mer à là-bas. Enjoy. Né en 2003, quitte le ciel, quitte la terre pour aller au ciel en 2023. On essaie de faire du caramel, enfin on essaie de combler le temps que Marco se réveille. Je crois que c'est un échec total. Non, non, non. Si, si. Non, non. Si, si, si. Faut pas dire parce ça. Que... T'inquiète, t'inquiète, là il va caraméliser. Mec, le problème c'est que ça colle de fou. C'est de la merde. Mais ça serait trop bon en fait, on voulait le mettre dans le riz. Oui, c'est le petit déjeuner, mais on voulait le mettre dans le riz. Ça aurait été trop bon. Putain, c'est de la merde. Après 20 minutes d'acharnement, on a enfin réussi à faire notre petit caramel incroyable. On va le mettre dans le riz délicieux. Let's go. C'était un malin plaisir. Alors. Marco est toujours en train de dormir dans la tente. Elle est où la tente, putain?
il y a une vache qui est là. Nous avons ramené la vache dans la tente pour réveiller Marco. Petit. Vas-y. Petit. Eh. Ah non, mais attends. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est conne ou quoi? Non, reviens. Non. J'ai peur. Mec, moi aussi. Nickel! Impossible de trouver. Bon, on est à la recherche d'un spot où on pourrait poser notre petite, notre petit sol parce qu'on a eu la flemme de mettre la tente. Parce que c'est un peu compliqué ici. Du coup, on va dormir à la Belle Étoile. Donc, il faut trouver un endroit parfait. Mais comme vous pouvez le voir, le sol est en fait fait à base de vagues, quoi, de bosses et de cailloux et de merde, de vaches. Donc, c'est compliqué. Alors Marco, parle-moi un petit peu de ton poste là. Ok, on verra ça. Et vous monsieur? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un sac sous protection, un oreiller bien galbé, un livre, une frontale, des écouteurs. De quoi passer une délicieuse nuit sous ce ciel étoilé. Ouais. Les sols qui vont apparaître. On va voir si on va pas avoir trop froid. Tout ça parce qu'on a eu flemme de mettre la tente. Let's go. Quelques paquets d'heures, nous serons dans le bus direction la capitale, direction le buffet chinois à volonté, direction le casino. Et on a de la chance d'être fin de nous demain. Voilà, tout est dit.
peut-être un message pour dire que c'est la fin du vlog. C'est la fin du vlog. C'est la fin du vlog de la Madère. Waouh, quel enthousiasme. Quel merci d'avoir regardé la vidéo. Des gros bisous.